Landru, le barbe bleue de Gambet. Bourreau des cœurs, arnaqueur et tueur. Landru est certainement le plus brillant, mais aussi le plus pervers de nos tueurs en série français. Il fit couler beaucoup d'encre. Des dizaines d'ouvrages relatent cette affaire, des bandes dessinées et des films. Monsieur Verdoux, en 1947, avec Chaplin. Claude Chabrol réalise à son tour Landru, en 1963, avec Charles Denner dans le rôle du tueur. Puis en 2005, TF1 présente un téléfilm, Désiré Landru, avec Patrick Timsit. La même année, sur scène, Régis Laspalès joue Landru, dans une pièce de Laurent Ruquier. Mais qui est ce Henri Désiré Landru? Et pourquoi cette affaire est-elle si extraordinaire? Au départ, Landru n'est qu'un petit escroc, marié avec 4 enfants. Déçu de ne pas avoir accompli quoi que ce soit d'important en sa vie, il ment avec une facilité déconcertante à sa femme, se prétendant technicien dans un grand cabinet d'architecte, mais ne vivant en réalité que le petit boulot et l'escroquerie, ce qui le mena plusieurs fois à faire des passages en prison. Mais quand la guerre de 14-18 éclate, Landru y voit une opportunité de faire vite fortune. En effet, la police est occupée et de nombreuses femmes se retrouvent seules ou veuves. Landru écrit ainsi dans les journaux des petites annonces matrimoniales, usant de plus de 90 pseudonymes différents. Il rencontre ainsi de nombreuses femmes, parfois plus de 7 par jour, dans les 4 coins de Paris. En tout et pour tout, il rencontra près de 200 femmes, allant de jeunes filles de 19 ans à des veuves de 55 ans. En 1918, la guerre finit et l'affaire Landru commence. Le maire de Gambet reçoit une lettre d'une certaine madame Pelat. Elle lui demande des nouvelles de son amie, madame Anne Colombe, qui, fiancée à un monsieur Dupont, s'est établie avec lui à Gambet. Le maire répond qu'il ne connaît pas cette personne. Quelque temps plus tard, une seconde lettre d'une certaine madame Lacoste arrive. La lettre demande des nouvelles de la sœur de madame Lacoste, Célestine Buisson, qui se serait elle aussi installée à Gambet, mais cette fois avec un monsieur Frémillet. Mais ces deux hommes ne seraient-ils pas cet homme étrange que tout le village connaît? Ce barbu qui arrive toujours à Gambet accompagné de femmes et qui loge dans la vieille villa de Monsieur Tric et dont la cuisinière semble toujours brûlée. L'inspecteur Jules Belin mène l'enquête. Et grâce à une rencontre de hasard, une voisine de Madame Lacoste qui croise le fameux Monsieur Frémillet accompagné d'une jeune fille, le suspect est arrêté. Son vrai nom? Henri Désiré Landru. Grâce à la presse, de nombreux témoignages arrivent à l'inspecteur. Des dizaines de disparitions de femmes semblent être liées à cet homme mystérieux. On découvre aussi sa malle et ses carnets. Le grand talent de Landru causa sa perte. En effet, il était minutieux, méticuleux et notait tout. Malgré des textes codés, la police parvint à identifier des noms de femmes à l'intérieur. Cela ne faisait plus de doute. Landru a tué ces personnes. Mais une question demeure. Où sont les corps? Il y a bien des cendres suspectes à Gambet, mais rien qui ne puisse affirmer que Landru a tué ces personnes. Durant son procès, Landru sera magistral, usant d'une rhétorique qui s'appuie sur les faiblesses du dossier. Pour prouver sa culpabilité, on alla jusqu'à faire apporter dans le tribunal la cuisinière de Landru, celle-là même qui aurait servi à faire disparaître les corps. Son avocat, maître Moreau Jaffery, le défendit avec talent. Durant la plaidoirie, il affirma que les victimes avaient été retrouvées et qu'elles allaient venir se présenter devant la cour d'assises. Le public et les jurés tournèrent la tête vers la porte qu'ils pointaient du doigt.
et après avoir laissé planer le suspense, il souligna que tous avaient tourné la tête et qu'ainsi il démontrait le manque de conviction concernant la réalité des assassinats que l'on reprochait à son client. Mais l'avocat général rétorqua du tac au tac que Landru, lui, n'avait pas tourné la tête. Cette scène digne du théâtre et les témoignages menèrent Landru à être reconnu coupable de 11 meurtres et à être condamné à la guillotine. De son incarcération en 1919 jusqu'à son exécution en 1922, il reçut plus de 4000 lettres d'admiratrices, dont 800 demandes en mariage. Le matin de la sentence, un aumônier vient le voir et lui dit: Mon fils, croyez-vous en Dieu? Landru répondit: Mon père, vous croyez que c'est le moment de jouer aux devinettes? Peu avant son exécution, on lui proposa le traditionnel verre de rhum et la cigarette. Landru déclina et répondit: Ah non, ce n'est pas bon pour la santé. Au pied de l'échafaud, Maître Moreau Giaferi demanda à Landru s'il avait réellement tué ses femmes. Landru s'approcha et dans un murmure il lui dit: Ça, maître, c'est mon petit bagage. Je l'emporte avec moi. Landru est une star. Durant son procès, il y avait Mistinguette, Maurice Chevalier et même Colette. Aujourd'hui, Landru n'a rien perdu de son aura. Laurent Ruquier a racheté à prix d'or, aux enchères, la fameuse cuisinière. Et le musée de la mort d'Hollywood prétend détenir la tête momifiée de Landru. Mais n'oublions pas que certains pensent encore aujourd'hui que Landru n'a pas livré tous ses secrets. Après Landru, je vous propose de découvrir le docteur Marcel Petiot et de conclure ce voyage dans le monde des tueurs en série français. Alors allez-y, cliquez!